Il est rejeté. Nous passons à l'article 12 bis. Madame Clapeau, vous souhaitez intervenir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, l'une des solutions pour limiter l'empreinte environnementale du numérique, des appareils numériques, c'est 1) de moins s'équiper, 2) de réparer et réemployer, et 3) de mieux collecter pour mieux recycler. Aujourd'hui, c'est quand même paradoxal, le marché des reconditionneurs du numérique manque de gisements d'appareils usagés, donc c'est une situation aberrante. Selon l'ADEME, 54 à 113 millions de smartphones dorment dans nos placards. Et j'invite ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent à explorer leurs tiroirs pour éventuellement y trouver ces gisements. Alors ce rapport proposé par l'article 12 bis, il sera l'occasion d'identifier des éventuels blocages, peut-être par des études comportementales, pourquoi ces freins à la collecte et à la réutilisation, et puis de mettre en place des incitations. Je pense en particulier à des campagnes d'information sur la possibilité de rendre l'appareil et l'impact écologiquement vertueux. Pourquoi pas des garanties sur la récupération des données personnelles ou la neutralisation des photos, des adresses, etc. Et puis, sur les emplacements de collecte, pourquoi pas mieux informer l'utilisateur. Merci.